Bonsoir à toutes et tous. Merci de cet accueil. Merci d'être venus si nombreux. Merci de venir réfléchir avec l'ensemble de ceux qui sont dans les deux autres salles, que j'ai saluées tout à l'heure, à ces questions d'éducation qui viennent de nous être présentées. Alors, je vais essayer de vous proposer une conférence qui ne soit ni trop générale ni trop technique. Ça n'est pas facile parce que dès lors qu'on parle d'éducation, on peut soit d'un côté se contenter de généralité, de ce que nous appelons en France le café du commerce, soit d'un autre côté égrener les éléments techniques, les chiffres, les statistiques, les auteurs, et faire s'effondrer le public sous une érudition qui ne lui permet pas nécessairement de comprendre les véritables enjeux. Alors, entre l'un et l'autre, je vais réfléchir avec vous et à voix haute, dans la lignée de ce qu'ont pu faire des gens comme Albert Jacquard, qui a été cité, Luc Ferry ou Marcel Gauchet, avec qui j'ai l'honneur de travailler très souvent. Alors, va apparaître derrière moi, si les techniciens veulent bien le démarrer, voilà un diaporama qui me permettra, au fur et à mesure de cet exposé, de présenter les idées forces, les idées clés que je vais développer. Je dis tout de suite à ceux et celles qui seraient intéressés que ce document sera disponible sur mon site internet dès demain matin. Donc, s'ils souhaitaient prendre des notes, ça n'est peut-être pas la peine. En tout cas, ils pourront en disposer librement. Que peut l'éducation ? Le titre est évidemment extrêmement ambitieux et parler d'éducation, je voudrais le dire d'emblée, ne peut pas se limiter à parler d'école. L'éducation, pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous, c'est aussi évidemment la famille, c'est aussi évidemment le tissu associatif et culturel, c'est aussi l'environnement urbain ou rural, ce sont les médias. C'est l'ensemble de ce qui contribue à aider un enfant à vivre et à se développer. La ville peut être plus ou moins éducative. Ma ville était éducative, elle l'est un peu moins aujourd'hui. Il y a 5 ans, dans le quartier où j'habite, il y avait un petit square pour enfants où les enfants allaient jouer en sortant de l'école et ce square était gardé par un gardien de square en uniforme. Il y a 3 ans, parce qu'il fallait faire des économies, on a remplacé ce gardien de square en uniforme par une caméra de vidéosurveillance. Alors oui, on peut se demander si la ville est aussi éducative quand elle met des caméras de vidéosurveillance dans les squares que quand elle y met des gardiens. On peut se demander si le rôle du gardien qui jouait cette figure tutélaire, les enfants en avaient peur, ils faisaient semblant d'avoir peur, ils se cachaient, ils l'approchaient avec son uniforme. Si ce rôle du gardien n'incarnait pas un petit peu l'image de l'adulte qui protège et qui dit son autorité sans pour autant interdire à l'enfant de jouer, si cela n'était pas indispensable à rendre la ville éducative, et puis si ce gardien qui était là aussi pour accueillir les personnes âgées, leur parler, les mettre en relation avec les enfants, ne jouait pas un rôle éminemment éducatif dans notre société. Et si je me permets de rappeler cette anecdote, de vous informer de cela, c'est simplement parce que je voudrais d'entrée de jeu qu'on ne charge pas trop l'école de toutes les responsabilités de nos échecs ou de nos difficultés en matière éducative. C'est toute la société, dans chacun de ces actes quasiment, qui contribue à passer un message éducatif, qui contribue à parler d'éducation, qui contribue à dire aux enfants ce qu'ils peuvent être, voire parfois ce qu'ils doivent être. À cet égard, parler d'éducation, c'est s'interroger sur notre responsabilité d'adulte, responsabilité collective de ceux qui accueillent des enfants qui viennent au monde infiniment démunis. Vous le savez, la caractéristique de l'espèce humaine, c'est que
nos petits d'hommes, avant de devenir des petits hommes ou des petites femmes, des petits humains, ont besoin d'être éduqués. Ils ont besoin d'être éduqués parce qu'ils sont inachevés. Et que cet inachèvement impose une éducation et en même temps permet le développement de leur liberté. Nul n'a jamais vu une abeille démocrate, l'abeille est génétiquement royaliste, elle n'a pas à se poser la question de son régime politique. Elle naît avec son régime politique dans les gènes. Mais aucun humain ne naît avec son régime politique dans les gènes. Et chaque humain est assigné à jouer un rôle, le sien, dans l'instauration de son régime politique, dans la société dans laquelle il va vivre. C'est la raison pour laquelle chaque petit humain a besoin d'être éduqué. Alors parler d'éducation, c'est s'interroger ce qui, dans notre présent, prépare le futur. C'est se poser la double question qui anime beaucoup de mes réflexions aujourd'hui et que je vais partager avec vous ce soir. Quel monde allons-nous laisser à nos enfants et quels enfants allons-nous laisser au monde ? Alors pour répondre à cette double question, je vous propose trois séries de remarques. Une première série de remarques que j'ai intitulée « L'éducation entre toute puissance et impuissance ». Et là, je vous parlerai peut-être plus spécifiquement du système scolaire, mais pas exclusivement. Une deuxième série de remarques que j'ai intitulée « La pédagogie entre éducabilité de chacun et liberté de tous ». Ce sera une approche plus pédagogique, mais aussi plus philosophique. Et une troisième partie que j'ai intitulée « Le courage d'éduquer dans la modernité », où j'évoquerai les défis très spécifiques que le monde moderne aujourd'hui impose de prendre en compte et propose aux éducateurs. Première série de remarques, l'éducation entre toute puissance et impuissance. Pour les philosophes des Lumières, pour les philosophes du XVIIIe siècle, l'éducation était toute puissante. C'est Helvétius qui disait « l'éducation peut tout, même faire danser les ours », c'est-à-dire même faire à quelqu'un quelque chose qui serait en quelque sorte contre sa nature. Pour Kant, qui définissait d'ailleurs ainsi les Lumières, l'homme est le seul être vivant qui doit être éduqué, et seule cette éducation permet au petit homme de devenir un petit homme. Les philosophes des Lumières nous ont ainsi alertés sur le pouvoir et la responsabilité qui étaient les nôtres d'éduquer ceux qui viennent au monde. Ils nous ont ainsi alertés, et c'est le revers de la médaille, sur tous les dangers de ce que serait le fatalisme en matière éducative. Nous n'avons jamais le droit de nous dire que rien n'est possible, et a fortiori que tout est perdu. Alors cette pensée a été assez largement dominante, cette pensée des Lumières, jusqu'à l'arrivée au XXe siècle des sciences humaines, et en particulier dans les années 1960, de ce que l'on a appelé les sociologues de la reproduction. Vous savez, c'était l'époque 1960 où des hommes comme Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron écrivaient « Rien de ce qui se joue dans la classe n'a sa résolution dans la classe. L'éducation n'a pas le pouvoir de changer le destin d'un humain. Il faut d'abord changer la société et en particulier organiser celle-ci pour que ce que l'on appelle l'égalité des chances soit d'abord une réalité sociale avant de devenir une réalité scolaire. » Ces sociologues ont insisté très fortement sur les déterminismes qui sont à l'œuvre dans le système éducatif, déterminismes que confirment obstinément et d'année en année toutes les enquêtes que nous pouvons effectuer. Il y a comme une sorte de fatalité qui fait que malgré tous nos efforts et malgré notre espoir de démocratiser l'éducation, eh bien il vaut mieux encore aujourd'hui être fils de notaire qu'être fils d'ouvrier. Être fille de médecin
et a fortiori d'enseignants, plutôt que de travailleurs agricoles issus de l'immigration, si on veut bien réussir à l'école. Alors, les sociologues nous alertent sur la naïveté que nous pourrions avoir si nous pensions que l'éducation pouvait tout. Il y a des réalités sociales, des réalités économiques contre lesquelles il est possible que l'éducation ne soit pas toute puissante. À cet égard, les sociologues nous préservent de la naïveté et de l'illusion que l'on pourrait appeler pédagogiste, celle qui croit en la toute-puissance de la pédagogie. Alors comment naviguer entre toute-puissance d'un côté et impuissance de l'autre ? Eh bien, en faisant le pari que la pédagogie peut émerger, parfois difficilement, souvent laborieusement, pour tenter de faire sauter les verrous, lutter pied à pied contre la fatalité partout là où elle est et chaque fois que c'est possible. Alors nous avons eu deux grands types de tentatives pour lutter contre cette fatalité et faire sauter les verrous. Des tentatives individuelles d'abord, celles de ce que l'on a appelé les grands pédagogues, les grandes figures de la pédagogie, Ittar. Ittar, c'est celui qui, vous le savez, a recueilli l'enfant sauvage de l'Aveyron, celui dont parle François Truffaut dans ce célèbre film « L'enfant sauvage », et qui a dit, alors que tout le monde expliquait que cet enfant était un arriéré de nature et qu'on ne pouvait pas l'éduquer, qui a dit « si, on va y arriver, on va faire quelque chose, on va créer des outils parce que ce gamin-là, on ne doit pas, on ne peut pas en désespérer. » Ittar va s'occuper de celui qu'il appellera Victor pendant 10 années. Pendant 10 années, il va au quotidien guider chaque pas, chaque geste, essayer de l'amener aux apprentissages fondamentaux jusqu'à la maîtrise du langage. Il n'y parviendra pas, Victor ne parlera jamais. Ce sera un échec pour Ittar, mais un demi-échec parce que Victor va beaucoup progresser et pas un échec du tout d'une certaine manière parce que, à l'occasion de ce travail avec Victor, Ittar va inventer une multitude d'outils pédagogiques dont certains, dont la plupart sont encore en usage dans nos écoles maternelles et dont beaucoup sont encore présents dans toutes les familles. Vous avez peut-être souvenir, si vous êtes parents, grands-parents, oncles ou tantes, c'est-à-dire presque tous parmi vous, de ce jouet qu'on appelle une boîte aux lettres, sur lequel il y a un couvercle percé d'un trou en étoile, d'un trou en lune, d'un trou en carré, etc., etc. Eh bien, la boîte aux lettres, c'est Ittar, le premier, qu'il a inventé pour exercer l'intelligence de Victor. Le puzzle, l'utilisation du puzzle en éducation, c'est Ittar, le premier, qu'il a imaginé, et ainsi de suite. Cet homme-là s'est levé à un moment où tout le monde disait qu'il était fou, qu'on n'obtiendrait rien de Victor, et il l'a aidé à progresser, et au passage, il a inventé des outils pédagogiques que nous utilisons encore. À la même époque, d'ailleurs, un autre homme, à quelques encablures de là, Pestalozzi, eh bien, va se heurter à des gamins difficiles, comme on dirait, à des voyous, à ceux et celles qui sont abandonnés, qui sont tombés dans l'errance, et à Stans, une petite ville de Suisse allemande, tentée de scolariser des enfants qui ne veulent rien entendre, qui sont en situation non seulement d'échec, mais de refus scolaire total. Et il va entrer, en quelque sorte, dans la modernité pédagogique. Il va créer la première zone d'éducation prioritaire. Il va incarner cette démarche apparemment banale aujourd'hui et pourtant tout à fait extraordinaire qui consiste à aller éduquer des enfants qui ne demandent pas à l'être et qui même sont plutôt hostiles à l'éducation qui leur est proposée. Alors oui, nous sommes là devant des figures majeures de l'histoire de la pédagogie et puis il y en a d'autres que j'ai cités en vrac. Jacotot, cet anarchiste étrange qui invente une méthode par laquelle on peut faire
apprendre des choses à quelqu'un sans pour autant les savoir soi-même, celui qui fondera un mouvement très étonnant, qui se développera d'ailleurs aussi en Belgique, le mouvement panécastique, dans lequel les ouvriers pourront venir le soir apprendre comment expliquer à leurs enfants et à lire, à écrire, même si eux-mêmes ne savent pas lire et écrire. Fabuleux, Jacotot. Makarenko, dans la Russie bolchevique, qui va récupérer au bord du chemin ceux et celles qui ont été abandonnés, les orphelins, pour tenter de créer les premières communautés éducatives. Et puis, bien sûr, vous le connaissez puisqu'il est d'à côté de chez vous, de Grolly, où Célestin Freinet, à peu près à la même époque, les grandes figures, les figures majeures de l'éducation nouvelle. Alors tout cela vont tenter chacun, chacune, de faire reculer la fatalité, de mobiliser toutes les ressources possibles de l'inventivité en structurant des situations, en construisant des outils, en mettant à disposition des enfants des ressources pour leur permettre de se développer dans ce qui reste le plus souvent, dans le cas de ces figures pédagogiques exemplaires, des sortes de petites enclaves pédagogiques de liberté dans un monde encore dominé par la fatalité. Mais à côté de ces tentatives individuelles pour faire reculer la fatalité, nous avons, tous les pays occidentaux, la Belgique, la France, mais aussi aujourd'hui tous les pays du monde, mis en place des systèmes éducatifs qui sont, eux, des tentatives institutionnelles pour créer des organisations capables d'offrir à tous les savoirs et la culture, afin de substituer l'égalité des chances d'abord à l'hérédité des privilèges, puis de garantir à tous progressivement le droit à l'éducation dans des écoles qui se veulent démocratiques. La réalité résiste. Malgré les tentatives héroïques des grandes figures de la pédagogie, malgré les tentatives institutionnelles obstinées en politique pour construire des écoles démocratiques, l'échec résiste toujours. L'échec résiste toujours, il est là sous nos yeux et les pédagogues que vous êtes, que nous sommes, en souffrent. Nous en souffrons parce que c'est toujours un échec pour nous de voir un enfant se résigner à ne pas comprendre ou basculer dans le refus d'apprendre. Alors, comment avons-nous tenté de faire face à cet échec? Je ne vais pas ici vous faire un exposé détaillé et historique, mais vous donner les grandes pistes de ce qui a été exploré. Ce qui a été exploré d'abord, c'est ce qu'on pourrait appeler toutes les formes de pédagogie de la compensation. Il s'agissait de compenser le handicap socioculturel, comme on le disait dès les années 60, compenser le retard scolaire, compenser les difficultés par un peu plus d'école, par ce qu'on a appelé ici du soutien, ce qu'on a appelé ailleurs de l'aide individualisée, ce qu'on a appelé encore un peu plus d'éducation, des études dirigées par exemple. Toute forme de pédagogie de compensation qui ont vite trouvé leurs limites. Dès les années 80, tous les chercheurs observent qu'on ne peut pas faire reculer l'échec en faisant plus de ce qui a échoué. L'école, sous sa forme traditionnelle, ne réussit pas, c'est vrai, avec tous les enfants. Alors la tentation, c'est de faire plus d'école. Mais on ne soigne pas l'anorexie par le gavage et on ne résout pas les problèmes du refus d'apprendre en refaisant un peu plus ce qui n'a pas marché jusqu'à présent. D'où l'idée qui apparaît dès les années 70-80, non plus de pédagogie de compensation, mais de pédagogie alternative. Pédagogie alternative, c'est-à-dire des classes spécialisées, où on pratique une pédagogie particulière pour des enfants
en répondant autant que faire se peut à leurs difficultés spécifiques. Mais là encore, ces classes spécialisées ont vite basculé dans des formes plus ou moins ouvertes de ghettoïsation. La France a été spécialisée et s'est spécialisée dans les années 60 à 2000 dans une forme d'oscillation infernale à cet égard. Chaque fois qu'un ministre de l'Éducation nationale arrivait en France, il disait, et il avait raison de le dire, mais regardez, on donne la même chose à tous les enfants alors qu'il y a des enfants qui ont des besoins particuliers. Et on a critiqué les pédagogies de compensation à ces enfants qui ont des besoins particuliers. Il ne faut pas leur donner plus de la même chose, il faut leur donner autre chose. Alors créons des classes particulières, créons des classes spécifiques. On va les appeler des quatrièmes technologiques, on va les appeler des classes pré-professionnelles de niveau. On va très tôt trouver des types de regroupements pour répondre aux besoins particuliers d'un certain nombre d'enfants. Très bien, on fait ça, ça dure un an, deux ans. Il y a des chercheurs toujours pour expliquer que c'est pas mal, mais que quand même c'est dangereux de faire ça. Parce que dès lors qu'on crée, et assez tôt, des classes spécifiques sur des besoins particuliers, ça fait des ghettos. On y met les élèves les plus en difficulté qui baissent les bras, il n'y a plus de stimulation entre les élèves, on risque de les stigmatiser très vite et de faire en sorte qu'ils aient à tout jamais une étiquette collée sur le dos. Alors très vite arrive un ministre de l'Éducation nationale qui écoute les chercheurs et qui se dit c'est vrai, ces classes spécialisées où on regroupe les enfants qui ont tous les mêmes difficultés, ça ne peut pas bien fonctionner. Alors mettons tous les enfants ensemble et créons des classes hétérogènes, dynamiques, où des enfants de niveaux différents, qui ont des styles cognitifs, des profils pédagogiques différents, qui ont des histoires différentes, vont pratiquer des travaux de groupe et de manière très coopérative apprendre ensemble. Et on crée des classes hétérogènes en supprimant les classes spécialisées qu'on avait créées deux ans ou trois ans plus tôt. On pratiquait les classes hétérogènes pendant trois ans, jusqu'à l'arrivée du ministre suivant qui disait « Mais qu'est-ce que c'est ces classes-là où on donne la même chose à manger à tout le monde alors que les élèves ont des besoins différents ?» Donc si on regardait les besoins spécifiques des élèves et qu'on regroupe les élèves qui ont des besoins particuliers dans des classes particulières, ce serait sans doute plus cohérent. Et allez, c'était reparti pour un tour. On allait faire des classes de pédagogie alternative avant l'arrivée du ministre suivant, qui disait, écoutez, les classes comme ça, c'est bien beau, mais on y met les mauvais élèves, ça crée des phénomènes d'aspiration par le bas, on met tout le dernier wagon, mais quand on a enlevé le dernier wagon, il y a toujours un dernier wagon, donc ça pose vraiment un problème, donc on ne peut pas garder ça comme ça, refaisons des classes hétérogènes, et ainsi de suite. Nous avons vécu, et nous vivons encore très largement dans cette oscillation du système scolaire, oscillation qui paralyse toute véritable innovation et focalise complètement les débats. Alors, après les pédagogies de compensation, après les pédagogies alternatives, la troisième strate qui a émergé, et qui a émergé depuis les années 2000, tourne autour de l'idée d'individualisation. Au fond, ce qu'on s'est dit, c'est que si les pédagogies de compensation ne marchaient pas vraiment, si les pédagogies alternatives, on n'arrivait pas à les gérer d'une manière qui ne soit pas ghettoïsante et discriminante, il fallait aller vers une individualisation, c'est-à-dire prendre en compte chacun et proposer à chacun ce dont il avait réellement besoin pour travailler et pour progresser. Et là encore, on réussit pas bien parce que cette individualisation qui devient un mot valise qu'on utilise tout le temps, eh bien dérive dans la plupart des pays où elle est mise en œuvre vers une sorte de contrôle technocratique des différences, c'est-à-dire vers un système de tests permanents, d'orientation souvent prématurée et de dissolution de toute forme de collectif structurant. Alors, que se passe-t-il avec cette fameuse individualisation ? Eh bien, on évacue le sujet au nom d'un paradigme qui est de type plutôt pharmaceutico-médical, diagnostic-remédiation. On diagnostique chez l'individu ce qui ne va pas et on remédie de manière individuelle, en ayant comme seul véritable horizon
une sorte de monitorat systématique qu'on est bien évidemment incapable de mettre en œuvre sur le plan technique, tellement cela nous coûterait cher. Alors, cette troisième étape de la lutte contre les échecs scolaires évacue le sujet, évacue l'élève d'une certaine manière en tant que personne, quand notre rôle d'éducateur, c'est au contraire de promouvoir ce sujet, de le mettre debout, et vous savez qu'en latin, mettre debout se dit instituer, instituteur, instituer, mettre debout, c'est-à-dire faire en sorte que la personne se lève, que la personne apprenne, que la personne grandisse. Et c'est la raison pour laquelle la thèse que je voudrais défendre avec vous aujourd'hui, c'est que si on veut lutter efficacement contre les phénomènes de l'échec scolaire, il faut refaire une plongée dans ce qui est l'essence même du travail pédagogique et ne pas s'en tenir au traitement purement institutionnel et technique de ces questions. Il faut aller jusqu'au cœur vivant, au cœur battant de la pédagogie dans ce qu'elle nous dit d'essentiel sur ce que c'est qu'éduquer, ce que c'est qu'apprendre et faire apprendre et comment on peut aider quelqu'un à cela. Deuxième série de remarques, donc, la pédagogie entre éducabilité de tous et liberté de chacun. Pour comprendre ce que peut l'éducation, il faut approcher, et on ne peut que l'approcher, je crois, la contradiction vive qui anime l'entreprise éducative et qui peut seule nourrir l'inventivité individuelle et collective des pédagogues. Alors, quelle est-elle, cette contradiction ? Elle est à la fois simple et difficile à appréhender. D'une part, il y a l'idée que nous ne devons jamais désespérer de quiconque. L'idée qui m'est chère et que je formule en reprenant le principe d'éducabilité, que nous n'avons jamais fini de proposer à chacun de nos enfants, à chacun de nos élèves, des moyens d'apprendre et de grandir. Que nous n'avons jamais le droit de baisser les bras. Cette idée me semble fondamentale, essentielle, au cœur de l'éthique éducative. Mais face à cette idée, il y en a une autre, tout aussi essentielle, tout aussi fondamentale, tout aussi au cœur de l'éthique éducative. C'est que nous ne pouvons jamais apprendre ni grandir à la place de quiconque, que nous n'apprenons pas à nager à la place de quiconque, que nous n'apprenons pas les mathématiques à la place de quiconque, que nous ne décidons à la place de quiconque de commencer un enchaînement de gymnastique ou de réciter un poème devant des camarades, que nous ne pouvons pas faire une déclaration d'amour à la place de quiconque, ni nous lancer à la place de quiconque dans la lecture de Kant, d'Hegel ou d'un autre grand philosophe. Il y a au cœur de l'éducation une contradiction entre l'éducabilité de tous que nous devons sans cesse postuler et la liberté radicale de chacun sur laquelle nous ne pouvons pas agir. Et je ne peux m'empêcher, en ce 300e anniversaire de sa naissance, de citer ici une des phrases les plus célèbres de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau dans l'Émile, qui dit d'une manière assez mystérieuse et assez mal comprise des commentateurs d'ailleurs, jeune instituteur, et comprenez instituteur pas simplement au sens professionnel du terme ici, mais jeune personne qui voulait instituer, faire tenir debout des êtres humains, je vous prêche un art difficile, c'est de tout faire en ne faisant rien. Voilà une formule extrêmement mystérieuse, tout faire en ne faisant rien. Pourquoi tout faire? Eh bien oui, tout faire parce que nous avons une responsabilité d'éducateur essentielle que nous n'aurons jamais fini d'honorer, qui est de créer les conditions pour qu'un être apprenne et grandisse. Alors pour cela, il faut mettre en place ce que j'appelle dans mes travaux un espace hors menace, pour qu'un enfant puisse oser se lever, poser une question, pour qu'il puisse
lire un poème devant ses camarades pour qu'ils puissent se jeter à l'eau dans un problème d'arithmétique auquel il ne comprend rien. Il faut qu'il puisse prendre un risque, certes, mais en sachant qu'il ne se met pas en danger et qu'il a autour de lui un environnement qui va lui permettre de prendre ce risque sans que ni psychologiquement ni physiquement il soit en danger. Sans que, par exemple, s'il se trompe, on se moque de lui. Sans que, par exemple, s'il échoue, il ait une mauvaise note qui lui colle à la peau pendant toute sa scolarité. Un espace hors menace, c'est un espace où l'on peut tenter, où l'on peut s'efforcer, où l'on peut s'essayer. Et bien évidemment, nous avons à créer ces espaces hors menace qui sont la base de tout espace éducatif. Dans ces espaces, nous avons évidemment à susciter le désir d'apprendre. Nous n'avons pas qu'à attendre simplement que le désir d'apprendre émerge et vienne. Vous savez, Célestin Freinet disait que l'essentiel de la pédagogie tient dans la façon de résoudre la difficulté qui consiste à faire boire un âne qui n'a pas soif. Sauf qu'il y a une très très grande différence entre les ânes et les enfants. C'est qu'un âne qui n'a pas soif, il suffit de le priver de boire. S'il fait un peu chaud, au bout de quelques jours, tout au plus quelques semaines, il finira par avoir soif et par vous demander à boire, d'une manière que vous comprendrez plus ou moins. Mais un enfant que vous privez de mathématiques, même s'il fait chaud, et même si vous attendez des semaines, rien ne vous garantit jamais qu'il viendra vous réclamer le théorème de Pythagore. Donc quand il s'agit de faire boire les ânes qui n'ont pas soif, on peut attendre qu'ils aient soif. Mais quand il s'agit de faire apprendre les mathématiques, l'histoire, la géographie, de faire accéder à la lecture ou aux grands textes de l'humanité, eh bien, nous avons une responsabilité infiniment supérieure qui n'est pas simplement d'attendre, qui est de proposer et de susciter à travers notre comportement, à travers notre capacité à entraîner l'adhésion, à travers aussi notre force, ce que nous incarnons de la culture des hommes et de son caractère émancipateur, nous avons à rendre possible l'émergence de ce désir. Nous avons bien évidemment à accompagner le saut dans l'inconnu que représente tout apprentissage. Nous avons à fournir des ressources permettant cet apprentissage. Une salle de classe, c'est un lieu de ressources dans laquelle il y a des livres, parfois des ordinateurs, mais ces ressources, c'est aussi nous, adultes, qui nous mettons à disposition de l'enfant. C'est aussi notre capacité que nous avons à renvoyer l'enfant vers d'autres personnes qui peuvent l'aider, le renseigner et qui peuvent lui permettre de s'approprier des savoirs. C'est accompagner le sujet pour lui permettre de repérer ses acquis, de s'évaluer, de savoir s'il progresse, de savoir où il en est et comment il peut progresser encore mieux. Alors oui, tout faire, et c'est d'autant plus exigeant que nous n'avons jamais fini de tout faire. Parce que s'il y a des métiers où on peut, et il y en a peu, mais enfin il en reste quand même quelques-uns, fermer la porte le soir en disant « sur la liste que j'avais écrite de ce que je devais faire aujourd'hui, j'ai tout fait ». Et je peux fermer la porte en disant « tout est fini », aucun éducateur ne peut fonctionner ainsi, ne peut quitter la classe en disant « j'ai tout fait, j'ai tout fini, j'ai trouvé l'exercice qui va permettre à Arthur de comprendre la proportionnalité, j'ai trouvé l'exemple qui va permettre à la petite Sarah de dépasser sa difficulté sur la compréhension de l'accord du participe passé ». J'ai trouvé le texte qui va permettre aux élèves qui ne s'intéressent absolument pas à la poésie de rentrer quand même dans la poésie. J'ai trouvé le document qui va me permettre de faire de la géographie et de comprendre ce que c'est que cartographier à partir des icônes et ainsi de suite. J'ai trouvé tout ça. Et qui plus est, j'ai même trouvé ce que je vais dire demain au petit Emmanuel qui est bloqué sur telle question et qui croit que je suis fâché avec lui. On ne peut jamais fermer la porte de la classe en disant « j'ai fini », en disant « j'ai tout fait ». Et le tout faire est donc un toujours tout à faire. Toujours tout reste à faire. C'est un métier à cet égard qui nécessite qu'on s'économise un peu, mais pour pouvoir se donner, et se donner sans jamais être certain qu'on a tout donné et qu'il ne reste pas quelque chose
à donner. Et pourtant, nous dit Rousseau, on fait tout, et on n'a jamais fini de tout faire, mais on ne fait rien. On ne fait rien parce que je ne peux pas agir directement sur la liberté de l'autre. Parce que le désir d'apprendre ne se déclenche pas comme on déclenche le décollage d'une fusée à Cap Kennedy en appuyant sur un bouton. Parce que je ne peux pas faire à la place de l'enfant, à la place de l'autre, ce que lui seul peut faire, c'est-à-dire rentrer dans la compréhension de quelque chose, le travailler dans sa tête et se dire « ça y est, ça je l'ai compris, ça je sais ce que ça veut dire ». Parce que si je veux éduquer quelqu'un, je ne dois pas agir à sa place, mais le mettre en situation d'agir par lui-même, et ça, je ne peux pas le faire par définition, puisque, comme le disait Lacan dans cette phrase célèbre, « si je me mets à la place de l'autre, l'autre, où est-ce qu'il se mettra ?» Eh bien, évidemment, en éducation, je dois tout faire en permanence, en ne faisant rien, c'est-à-dire en acceptant que l'essentiel, je n'ai pas de pouvoir dessus, puisque c'est la liberté de l'autre, que je peux simplement organiser les choses pour que de l'autre et de l'intérieur vienne cet engagement par lequel il décide d'apprendre, par lequel il accepte de grandir. Vous me permettrez une petite incise ici dans mon histoire personnelle, de mon histoire personnelle. J'ai écrit il y a quelques années un ouvrage qui s'intitulait « Le choix d'éduquer ». Cet ouvrage portait comme sous-titre « Éthique et pédagogie ». Et j'y développais justement cette idée que l'on a vraiment du pouvoir en éducation quand on accepte d'avoir aussi un impouvoir sur la liberté de l'autre. Et le moment où j'ai écrit cet ouvrage était un moment personnel très difficile, puisque l'une de mes filles, à la suite d'une agression violente, était devenue gravement anorexique et mettait sa vie en danger. Pour un parent, avoir un enfant, une fille anorexique, est une épreuve terrible. On voit quelqu'un que l'on aime en train de se suicider quasiment devant vous. Et la tentation, bien évidemment. La tentation, c'est le gavage. Je l'évoquais tout à l'heure. La tentation, c'est « tu mangeras parce que je le veux pour ton bien, parce que je veux te sauver la vie et que je t'aime. Je t'aime et je te sauverai la vie, donc je te ferai manger ». Que tu le veuilles ou non. Mais voilà. Elle seule a décidé de s'arrêter de manger et elle seule peut décider de recommencer à manger. Je ne peux pas décider de recommencer à manger à la place de quelqu'un. C'est lui qui doit le décider. En revanche, je peux faire une multitude de choses pour que le repas lui soit moins pesant, que la vie lui apparaisse plus porteuse de promesses, que l'environnement soit plus joyeux, que l'on ne soit pas focalisé en permanence sur ses moindres faits et gestes et qu'on l'accompagne dans des aventures où elle retrouve, cette personne-là, le goût de vivre. Ça, je peux le faire, mais je ne peux faire que cela. C'est déjà beaucoup et c'est jamais fini. C'est jamais fini, mais ce n'est jamais l'essentiel. Parce que tout faire, ça a beau être beaucoup, ça se heurte toujours au fait que sur l'essentiel, je ne peux rien faire. Et tant qu'on n'a pas saisi, me semble-t-il, cette espèce de contradiction structurante dans l'entreprise éducative, on s'épuise. On s'épuise et on s'agite. On s'agite, on réforme, on improvise, sans comprendre exactement ce qui est en jeu et comment on peut agir vraiment sur ce qui est en jeu. Alors tout faire en ne faisant rien, fameuse formule de Rousseau, et puisque nous sommes dans l'année du 300e anniversaire de la naissance de Rousseau, mais aussi le 150e anniversaire, et c'est peut-être encore plus important, de la publication simultanée de deux œuvres majeures de Rousseau que sont l'Émile et le Contrat social, rappelons deux citations de Rousseau, qui est probablement un de ceux qui a le mieux perçu
le caractère fondamental de cette contradiction structurante de l'acte éducatif. Deux citations. Une citation étonnante qu'on ne s'attend pas à trouver sous la plume de Rousseau quand on a la représentation d'un Rousseau libertaire, etc. Rousseau est un directif, puisqu'il écrit, vous l'avez sous les yeux et derrière moi, « Sans doute il s'agit de l'enfant, ne doit faire que ce qu'il veut, mais il ne doit vouloir que ce que vous voulez qu'il fasse. Il ne doit pas faire un pas que vous ne l'ayez prévu, et il ne doit pas ouvrir la bouche que vous ne sachiez ce qu'il va dire. » Avec pour un non directif, c'est quand même un peu directif comme conception de l'éducation. Mais c'est le même Rousseau, à quelques pages d'écart, dans le même livre, Émile ou de l'éducation, qui écrit qu'il ne sache rien, il s'agit bien évidemment encore une fois de l'enfant, parce que vous le lui avez dit, mais parce qu'il l'a compris lui-même, qu'il n'apprenne pas la science, qu'il l'invente. Si vous substituez dans son esprit l'autorité à la raison, il ne raisonnera plus, il ne sera plus que le jouet de l'opinion des autres. Qu'est-ce que nous dit Rousseau en réalité? Il nous dit que c'est l'adulte qui éduque et enseigne, mais que c'est l'enfant qui grandit et apprend. Et qu'il y a là deux réalités qu'il faut faire fonctionner ensemble, mais dont la simultanéité n'est jamais garantie. Ça nous met en rage. On aimerait bien que quand on éduque et qu'on enseigne, l'enfant grandisse et apprenne. Mais il y a disjonction entre les deux processus. Les deux processus appartiennent à des acteurs différents qui se rencontrent parfois, et c'est fort heureux, et c'est là où l'éducation advient, mais cette rencontre n'est qu'une rencontre, ça n'est en aucun cas une causalité systématique. Rousseau, comme tous les pédagogues, est favorable au fait d'assumer la contrainte éducative, mais en même temps et simultanément, il veut que cette contrainte permette l'émergence de la liberté. Alors ça peut vous apparaître un peu philosophique, un peu abstrait, un peu abscon, dit comme cela, et pour l'illustrer, cette thèse, que c'est la contrainte qui permet l'existence et l'émergence de la liberté, je voudrais évoquer une autre figure, beaucoup plus récente, de l'histoire de la pédagogie. Parce que c'est un autre anniversaire, cette année 2012 encore, c'est l'année Korczak. Alors, qui est Janusz Korczak? 1878-1942. Quelqu'un qui a probablement parmi les pédagogues le mieux exprimé comment la belle contrainte pouvait permettre l'émergence de la pensée et la construction de la liberté. Si 2012 est l'année Korczak, et si l'UNESCO a déclaré 2012 l'année Korczak, parce que c'est le 100e anniversaire cette année de la création de la Maison des Orphelins par Korczak à Varsovie, et le 70e anniversaire de sa mort. Pour ceux et celles qui ne sauraient pas vraiment qui est Korczak, quelques éléments biographiques. C'est un médecin polonais d'origine juive qui, en 1912, avant la Première Guerre mondiale, ouvre la maison des orphelins pour les gamins des rues et tente dans cette maison des orphelins d'organiser une éducation pour ces voyous dont personne ne veut et dont on pense qu'ils sont perdus à tout jamais pour la société. En 1914, il publie un ouvrage célèbre qui s'intitule « Comment aimer un enfant ». En 1920, et c'est en quoi Korczak est aussi un homme historique absolument essentiel, c'est celui qui propose la première déclaration des droits de l'enfant et qui formule la première définition de l'enfant qui permet de comprendre ce que sont ses droits en disant qu'il est tout à la fois un être complet et un être inachevé. Il est complet, dit Korczak, parce que tout enfant, même tout petit, il a déjà la palette de toutes les composantes de l'humaine condition. Il a cette très belle phrase, Korczak, « Les souffrances des petits ne sont pas des petites souffrances ». Et c'est tellement vrai.
Et en même temps que l'enfant est un être complet, il est inachevé, à cet égard il doit être protégé, commence dès 1920 la construction, qui sera très lente, très longue, de ce qui sera adopté en 1989 par l'Assemblée générale des Nations unies, la Convention internationale des droits de l'enfant, qui doit tant à Korczak. Korczak est aussi un auteur de littérature pour enfants, puisqu'il écrit beaucoup de livres pour enfants, dont le plus célèbre en 1922 est le roi Matthias Ier. C'est aussi un homme assez extravagant, puisqu'il lance en 1926 une petite revue qui est entièrement écrite par et pour les enfants et qui est publiée une fois par semaine dans toute la Pologne. En 1932, Korczak crée une école expérimentale dans ses orphelinats où les enfants choisissent leurs activités et sont évalués sur des projets de fin d'année. Et puis, bien sûr, Korczak est surtout connu pour sa fin tragique, puisque le 6 août 1942, alors que la Gestapo envahit le ghetto de Varsovie, où Korczak s'est retranché avec sa maison des orphelins, il accompagnera les 192 enfants de l'orphelinat du ghetto dans les wagons à bestiaux qui les amèneront ensemble au camp de Treblinka, où il sera exterminé avec eux. On sait aujourd'hui que l'on avait proposé à Korczak de fuir Varsovie en bénéficiant d'un passeport américain. Il ne l'a pas fait. Il a suivi ses enfants à Treblinka en les prenant par la main derrière le drapeau vert qui à l'époque était le drapeau de l'enfance. Et il a été ainsi fidèle jusqu'à la fin de sa vie à ce combat pour l'enfance dont nous sommes très largement aujourd'hui encore partie prenante. Alors, si j'évoque la figure de Korczak, parce que c'est l'année Korczak, après celle de Rousseau, c'est parce qu'il exprime, me semble-t-il, d'une manière très concrète, très, très belle, tout le projet rousseauiste. Korczak considère que le véritable respect de l'enfant n'a rien à voir avec son idéalisation. Il sait que les enfants, ce n'est pas facile. Et il sait que prendre l'enfant pour ce qu'on voudrait qu'il soit ne permet pas toujours de l'aider à le devenir. Korczak ne confond pas ce qu'est l'enfant et ce vers quoi on voudrait l'amener. Et à sa manière, il est d'accord avec la fameuse formule que vous connaissez peut-être de Maria Montessori, il faut toujours se mettre à la portée des enfants, il ne faut jamais se mettre à leur niveau. Il faut se mettre à leur portée, bien évidemment, sinon ils ne nous entendent pas. Il ne faut pas se mettre à leur niveau, sinon on ne les aide pas à grandir, bien évidemment. Alors Korczak recueille à Varsovie des enfants excités, bruyants, bagarreurs, insupportables, qui cassent tout sur leur passage. Il a affaire aussi à ce qu'il appelle des enfants vampires, qu'il sollicite en permanence et ne lui permettent pas de leur répondre à chacun sereinement. Il est là au quotidien dans l'orphelinat et à chaque instant il est attrapé par l'un, aide-moi à faire mes devoirs, attrapé par l'autre, raconte-moi une histoire, attrapé par le troisième, je veux te parler de telle chose. Il est submergé par ces demandes permanentes d'enfants qui le vampirisent. Alors il tente de sortir de cette situation. Et il invente, parce que Korczak est un pédagogue inventeur, il invente des choses étonnantes. Il invente un système tout à fait curieux. Il dit aux enfants qui veulent obtenir des réponses en permanence et tout de suite de sa part à toutes leurs questions, je vais vous répondre, mais à condition que vous formuliez votre demande par écrit et que vous mettiez votre demande dans la boîte aux lettres que j'installe dans l'orphelinat à tel endroit. Alors ça soulève un tollé, hein, parce qu'il y a des enfants qui disent, mais monsieur, on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire. Quand j'ai dit, ça n'a aucune importance, si vous ne savez pas écrire, vous dicterez votre lettre. Si vous ne savez pas écrire, vous trouverez quelqu'un. Si vous ne savez pas lire, vous trouverez quelqu'un pour, etc. Bon, très bien. Et moi, je vous garantis qu'à chaque instant, que chaque jour, je relèverai la boîte aux lettres et que je vous répondrai. Korczak est là au cœur de quelque chose d'essentiel qui est cette tentative de faire réfléchir l'enfant, des enfants qui sont dans le passage à l'acte permanent
et qui ne tolère pas le moindre sursis. Alors, il met en place ce qu'il appelle des dispositifs. La boîte aux lettres en est une. Que dit-il de la boîte aux lettres ? On apprend à attendre une réponse au lieu de l'exiger sur le champ, grâce à la boîte aux lettres. On apprend à expliquer ce qu'on veut vraiment. On apprend à se demander si c'est juste. On apprend à penser. Korczak ne dit pas aux enfants, vous n'avez pas le droit de vous exprimer, ou vous n'avez pas le droit de me demander quelque chose. Il ne dit pas non plus, je vous donnerai tout ce que vous me demandez. Il dit, prenez le temps d'écrire. Prenez le temps de réfléchir, moi je prendrai le temps de vous répondre. Cette gestion du sursis est quelque chose d'absolument fondamental en pédagogie. Korczak même utilisera la boîte aux lettres quand il aura affaire à des situations terriblement difficiles, en particulier quand il aura des gamins trop bagarreurs. À un moment, dans les années 30, les bagarres prennent une telle importance dans l'orphelinat que il va d'abord les interdire. Il dit « j'interdis les bagarres », mais c'est idiot, il dit même d'interdire les bagarres parce que ça ne sert à rien. Alors il dit « allez, je vais faire comme pour la boîte aux lettres », il édicte une règle. Il dit « à partir d'aujourd'hui, tout le monde peut taper sur n'importe qui, quand il voudra, comme il voudra. Mais à une seule condition. De le prévenir par écrit 24 heures à l'avance. » Et alors là, il y a un coup de génie pédagogique et démocratique. Korczak réinvente par ce coup de génie la pédagogie et la démocratie, c'est-à-dire il vaut mieux réfléchir, parler, discuter plutôt que se taper dessus. Et si on peut attendre un peu avant de se taper dessus, juste le temps de réfléchir, de discuter, c'est déjà ça de gagner. Et c'est ça qui permet à l'enfant de sortir de l'impulsivité, de sortir de l'infantile, pour tout en restant un enfant, commencer à grandir. Alors, il va multiplier les dispositifs. Il a aussi un système de règlement de bagarre qu'il va mettre en place dans les années 32-33. Il donne à chaque gamin 10 points par semaine, et il lui enlève un point par petite bagarre, deux points par moyenne bagarre, etc., etc., parce qu'il s'aperçoit que sinon, il n'y arrive pas, parce que les enfants, ils se bagarrent quand même. Donc, il dit, c'est pas la peine de les empêcher complètement de se bagarrer, puisque de toute façon, ils se battront. Donc, on va leur donner un crédit de bagarre, en quelque sorte. Et qu'est-ce qu'il remarque? Il remarque, j'ai cité ici Korczak, entre guillemets, que les plus turbulents apprennent à réfléchir avant de se battre. Ben oui, parce qu'on n'a que 10 points. Donc on a le droit de se battre. On va d'ailleurs, quand on dépensera ses points, en profiter. Mais faut pas les gaspiller, ces points de bagarre. On n'en a que 10. Et effectivement, Korczak observe, on n'éradique pas les bagarres, mais, on apprend à réfléchir avant de se battre. Et puis Korczak met en place un tribunal des enfants. C'est un tribunal où siègent 4 enfants qui sont tirés au sort parmi ceux et celles contre lesquels il n'y a eu aucune plainte dans la semaine. Un tribunal dans lequel l'adulte, lui, Korczak, joue le rôle de greffier, ce qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire la figure tutélaire de celui qui écrit tout ce qui se dit. C'est-à-dire que l'adulte, en quelque sorte, est celui qui permet à la parole de l'enfant de basculer dans l'écrit, c'est-à-dire qui, par sa seule présence, exerce une forme d'autorité absolument essentielle. Attention à ce que tu dis parce que je l'écris. Hein ? Le greffier, c'est très important. Et Korczak note d'ailleurs dans son journal qu'en étant le greffier, on n'a plus de pouvoir qu'en étant le président du tribunal pour enfants. Et alors, que fait ce tribunal pour enfants ? Eh bien, tous ceux et toutes celles qui ont une plainte contre un enfant de l'orphelinat peuvent apporter cette plainte et puis on l'examine. Mais il y a des règles. Il y a 1000 articles que l'on doit examiner chacun en commençant au premier et en terminant au millième. Et chacun des articles doit faire l'objet d'un débat. Le premier article, c'est « la personne n'a pas commis
ce qu'elle est censée avoir commis, il y a non-lieu. Il faut évacuer cela avant d'eux. La personne l'a commis, mais elle n'y est pour rien. Bon, donc il n'y a pas non-lieu, mais la personne l'a commis, mais on peut lui pardonner, et ainsi de suite. Et il oblige le tribunal des enfants à examiner chaque hypothèse avant de passer à la suivante. Autrement dit, il structure, selon un protocole extrêmement codifié, le débat des enfants, de telle manière à ce que ce débat les amène à penser. Il crée des dispositifs, et un dispositif, pour lui, c'est ce qui permet de sortir de ce que j'appellerais ici volontiers l'aporie des préalables. L'opposition de ceux qui croient, d'un côté, qu'il faut laisser s'exprimer l'enfant librement en dehors de toute contrainte, au risque de favoriser la liberté du vide et l'expression spontanée des stéréotypes. Quand vous laissez un enfant s'exprimer, il vous raconte ce qu'il a entendu à la télé, à la radio. C'est à peu près tout ce qu'il vous dit d'abord. Ou de ceux qui, à l'inverse, estiment qu'il faut inculquer d'abord les outils et les modèles d'expression avant de laisser l'enfant s'exprimer, en croyant que l'expression finira bien un jour par naître du silence et la liberté par naître de la contrainte. Alors il y a là une aporie, une contradiction, une difficulté qui est très problématique. On évoquait Luc Ferry tout à l'heure, notre ancien ministre de l'Éducation nationale en France, qui dans un de ses livres cite certains de mes travaux en disant « La grande différence entre lui et moi, c'est que moi je pense qu'il faut outiller d'abord les enfants intellectuellement leur laisser après seulement la liberté d'expression, alors que Mérieux pense qu'il faut laisser s'exprimer librement les enfants et que c'est comme ça qu'ils vont s'outiller intellectuellement. » Alors j'ai eu l'occasion de m'en expliquer avec lui et de lui expliquer et de lui dire que jamais je n'avais dit qu'il fallait laisser s'exprimer les enfants librement sans leur apporter des contenus, sans même leur imposer des contraintes. Tout au contraire, j'ai toujours expliqué que dans l'acte même d'expression de l'enfant, il fallait être présent pour que cette expression s'exauce au-dessus d'une certaine immédiateté et qu'elle puisse accéder d'une manière formalisée à une expression élaborée. Alors oui, d'un côté, on peut dire, laissons les enfants s'exprimer, et puis, c'est un peu libres enfants de Summerhill, on les laisse faire. De l'autre côté, on dit, ah ben non, les enfants, on ne les écoute pas, ils n'ont rien à dire. Ils ont d'abord à recevoir et à se taire, et puis quand ils seront grands, un jour, ils pourront s'exprimer. Korczak, il nous dit quelque chose d'assez formidable, il nous dit, tous les enfants doivent s'exprimer, mais il faut que nous mettions en place, nous, les conditions qui font que cette expression devienne de plus en plus élaborée. Et mon travail, ça va être non pas d'interdire l'expression, ni de la favoriser, c'est de faire en sorte qu'elle se fasse dans un cadre qui permette à l'enfant de progresser. Et par exemple, avec ce sursis à l'acte qui est si essentiel pour sortir de l'immédiateté du tout tout de suite et de la toute puissance. Ainsi, chez Korczak, le droit d'expression et le devoir d'éducation sont profondément solidaires. Aucun ne précède l'autre. Et ce qui caractérise la pédagogie et le dispositif pédagogique, c'est précisément d'articuler les deux, le droit d'expression et le devoir d'éducation, dans le même acte. Entre ce qu'on pourrait appeler le spontanéisme du déjà-là, les enfants, ils sont beaux, ils sont gentils, ils disent toujours la vérité, ils disent toujours des belles choses, etc., etc. Enfin, ce que certains pédagogues comme Fernand Houry appellent l'illusion des petits Émile aux curoses, comme si il y avait une espèce d'enfance absolument parfaite. Et puis, d'un autre côté, l'autoritarisme de l'adulte qui dit « Non, ce sera plus tard, pour le moment tu obéis, etc. etc. » Il y a, et c'est, me semble-t-il, le cœur même de ce que la pédagogie nous apprend et Korczak nous apporte, l'exigence. L'exigence, c'est-à-dire la création
de situations structurantes qui nourrissent la liberté et permettent de penser. Je vais revenir sur ce mot de penser parce que c'est un terme clé pour moi et c'est probablement autour de lui qu'il faut reconstruire, je crois, nos institutions éducatives. Troisième série de remarques, si vous le voulez bien, le courage d'éduquer dans la modernité. Je voudrais développer avec vous l'idée que c'est à partir de la dialectique contrainte-liberté qu'il faut penser le pouvoir et le devoir d'éduquer dans la modernité. Cette modernité, Marcel Gaucher vous en a parlé, pour ceux et celles qui ont pu venir l'écouter, est en proie, nous le savons, à une crise de l'éducation, comme le disait Hannah Arendt dès les années 50-60. Crise de l'éducation qui n'est pas simplement une crise du système scolaire, qui est une vraie crise de l'éducation dans son ensemble. Il y a un effondrement des grands récits unificateurs, christianisme, marxisme, etc., qui peuvent rester encore présents dans notre intimité, dans notre vie privée, mais qui ne font plus autorité dans la sphère sociale et politique. Les finalités de l'éducation ne s'imposent plus dans leur verticalité théocratique comme jadis. Vous savez, dans les pays totalitaires, il n'y a pas de problème d'éducation. Hein. Dans l'Union soviétique des années 50, dans l'Iran de Khomeini, bon, on ne se pose pas de problème. Il n'y a pas de débat éducatif, hein. Il n'y a pas de débat pédagogique, il n'y a pas de débat sur l'école. Il y a un catéchisme qui s'impose à tous, et les parents ou les enseignants qui n'agissent pas conformément au catéchisme qui s'impose à tous, eh bien, ce sont des dissidents ou des hérétiques. En tout cas, ce sont des gens que l'on rééduque, eux, pour qu'ils éduquent leurs enfants correctement. Il y a des finalités de l'éducation qui viennent d'en haut et qui s'imposent à tous. Personne ne les discute. La démocratie, ça a cet inconvénient, mais qui est aussi peut-être un avantage, c'est que les finalités de l'éducation ne s'imposent plus d'en haut, qu'elles ne nous sont pas en quelque sorte proposées comme étant des vérités auxquelles il suffirait d'obéir, mais que nous avons à les rediscuter sans cesse et à nous les réapproprier individuellement et collectivement. Alors oui, c'est une crise de l'éducation, c'est une crise qui est corollaire de l'émergence de démocratie. Mon collègue Guy Coq, philosophe, dit même que la notion de démocratie rend l'éducation, si ce n'est difficile, du moins quasi impossible à penser. Parce que précisément, on ne sait plus s'accorder ou on ne parvient plus à s'accorder sur ce qui est l'avenir commun à proposer à nos enfants. Alors oui, il y a une crise de l'éducation et assumons-la telle qu'elle. Et puis il y a ce que mon collègue Marcel Gaucher appelle la montée de cet individualisme social qui fait primer les stratégies individuelles sur le respect des règles collectives, hein, y compris d'ailleurs pour ceux et celles qui promeuvent ces règles par ailleurs, qui sont très contents d'appliquer ces règles aux autres, mais qui s'en exonèrent dès qu'il s'agit d'eux-mêmes. Hein. On connaît très bien ça en France, où par exemple, les meilleurs défenseurs de la carte scolaire et de l'obligation de respect de la carte scolaire sont les premiers à mettre leurs enfants dans les établissements privés qui y dérogent, etc., etc. Et que dès lors que nos enfants sont directement concernés, les principes qu'on considère comme valables pour la totalité, on s'en exonère facilement. Et nul là-dessus ne peut jouer l'esprit fort, parce que nul ne peut dire « Fontaine, je ne boirai pas de tonneau ». Nous savons bien que quand c'est nos enfants qui sont en question, nos principes politiques, on est capable de les mettre sous le tapis. Alors oui, il y a une crise de l'éducation, parce qu'il y a des récits unificateurs qui se sont effondrés, parce que les finalités de l'éducation ne font plus consensus, parce que l'individualisme social fait primer les stratégies individuelles, parce qu'aussi les autorités éducatives ne fonctionnent plus de manière solidaire.
Il y a toujours eu plusieurs autorités éducatives. Dans l'école mythique de Jules Ferry, l'école à la française, il y avait l'instituteur, mais il y avait le curé, mais il y avait le père de famille, mais il y avait aussi les autres notables. Mais Jules Ferry disait lui-même, tous fonctionnent ensemble, respectent et imposent la bonne vieille morale de nos pères. Et moi-même, quand j'étais à l'école, il y a longtemps, j'avais plusieurs instituteurs et ils surveillaient la cour du centre de la cour à quatre, dos à dos. C'est-à-dire qu'ils se mettaient au milieu de la cour et au milieu, ils s'appuyaient les uns sur le dos des autres. Ils étaient quatre, ils pouvaient discuter et ils avaient comme ça un champ de vision, évidemment, absolument parfait puisque personne ne pouvait échapper à leur regard. Cette image des quatre instituteurs surveillant ensemble la cour dos à dos, mais reste encore très présente à mon esprit comme garante de la solidarité des autorités éducatives, en quelque sorte. Chacun d'entre eux peut avoir son idée, mais on ne se contredit pas. Bien évidemment, ce n'est plus le cas. Entre l'autorité du maître et l'autorité des parents, entre l'autorité des médias et l'autorité des copains, il n'y a plus convergence, il n'y a plus consensus, et chacun tire dans son sens. Elles ne font pas système, elles ne fonctionnent plus de manière solidaire. Le flux de données que reçoivent aujourd'hui nos enfants est tellement grand, tout ce qui contribue à leur éducation, en particulier à travers tout ce qu'ils apprennent à l'extérieur de l'école, et tout ça est tellement gigantesque et en même temps disparate que la cohérence est extrêmement difficile à construire. Et puis enfin, et c'est peut-être le point le plus précis et le plus préoccupant, cette crise de l'éducation est aussi liée au fait que l'enfant est devenu aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, un cœur de cible pour ce que mon collègue Bernard Stiegler appelle le capitalisme pulsionnel. Qu'est-ce que le capitalisme pulsionnel ? Ah, Bernard Stiegler dit, il y a eu d'abord le capitalisme industriel, ça c'était Zola et les mines. Après, il y a eu le capitalisme financier, c'est ce qui agonise sous nos yeux. Et bien maintenant, c'est le capitalisme pulsionnel. Qu'est-ce que le capitalisme pulsionnel ? C'est un système économique qui est fondé sur la pulsion d'achat. Et en particulier sur un discours permanent qui susurre à notre oreille et à l'oreille de nos enfants, achète tout et tout de suite, le plus vite possible et sans réfléchir, ça fait marcher le commerce, et si tes parents ne veulent pas te l'acheter, c'est qu'ils sont méchants. L'enfant est devenu effectivement un cœur de cible pour cette armée très bien organisée de publicitaires qui promeuvent l'empêchement de penser parce que précisément, penser c'est réfléchir et réfléchir avant d'acheter, c'est pas très bon pour le commerce. Si je me permets d'insister un tout petit peu là-dessus, c'est parce que mon âge et mon expérience me permettent de pointer une évolution fondamentale et qui s'est accélérée d'une manière, à mon avis, vertigineuse depuis une petite dizaine d'années. C'est l'évolution liée à ce qu'on pourrait appeler le triomphe de l'immédiateté, du tout de suite, de la surenchère et du caprice mondialisé. Effectivement, tout concourt à dire à l'enfant « fais ton caprice ». Fais d'autant plus ton caprice que tous les adultes veulent ton bien et que tu pourras faire de la surenchère entre eux pour savoir celui qui t'aime le plus. C'est celui qui cédera le plus à tes caprices.
Il y a là, me semble-t-il, un phénomène tout à fait essentiel qui n'est pas dû, contrairement à ce qu'on pourrait trouver écrit ici ou là, à des errances théoriques de pédagogistes irresponsables qui auraient mis l'enfant roi sur un piédestal, mais qui est dû beaucoup plus à une manière de fonctionner dans notre société où l'enfant, et c'est une bonne chose, est aujourd'hui un enfant désiré, mais où, et c'est plus discutable, il est construit, structuré, institué comme un enfant pas seulement désiré, mais du désir. Un enfant qui finalement est là pour nous satisfaire et dont nous satisfaisons les caprices parce que ça satisfait notre propre désir d'avoir un enfant satisfait. Souvenez-vous, vous savez, c'était, je ne sais pas, il y a 3-4 jours, ou la semaine dernière, ou il y a un mois, c'était l'anniversaire de la petite Sarah. Alors il y avait là son père, sa mère, son oncle, sa tante, ses deux tantes, et puis la belle-mère d'un côté, de l'autre, le beau-père, etc. Puis la petite Sarah était au milieu, puis autour il y avait au moins une dizaine d'adultes. Et puis chaque adulte, il avait quoi ? Un appareil photo numérique et un petit cadeau. Vous imaginez le pouvoir qu'on donne à la petite Sarah, là, au milieu ? Il y a 10 adultes qui ont chacun autour d'elle un cadeau et un appareil photo numérique. Et la petite Sarah, elle va choisir à qui elle fait un sourire ? Vers qui elle va d'abord ? À qui elle dit ton cadeau, il est beau, il est plus beau que l'autre? Elle ne le dit pas forcément parce qu'elle est polie, il est plus beau que l'autre, mais elle va dire, mais oui, le cadeau de mamie, il est vraiment très beau. La maman, on lui a donné le pouvoir de faire ce qu'il veut. C'est lui qui distribue les bons points. C'est elle, la petite Sarah, qui choisit entre les adultes les bons et les mauvais. Nous lui donnons en quelque sorte cette responsabilité fabuleuse et qu'elle n'est pas capable de porter parce qu'elle est toujours une enfant, de choisir parmi les adultes ceux qui la satisfont et ceux qui ne la satisfont pas. Alors oui, il y a eu un changement radical, me semble-t-il, dû à cette sorte de d'hégémonie de la société du capitalisme pulsionnel qui met l'enfant en situation d'obtenir tout ce qu'il veut en jouant sur la rivalité des adultes qui veulent tous être aimés plus les uns que les autres. Et pour obtenir l'amour de l'enfant, que ne ferait-on pas en satisfaisant le moindre de ses caprices ? Alors oui, c'est un changement radical qui est là sous nos yeux. Il est tellement évident qu'on ne le voit pas, comme le dit Paul Yonnet, un démographe récemment décédé d'ailleurs, qui a écrit un remarquable livre sur le recul de la mort. Jadis, les familles faisaient des enfants. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui font la famille. Il y a famille quand l'enfant arrive. Il a raison. Et ce pouvoir extraordinaire que nous donnons à l'enfant, est-ce que nous l'aidons suffisamment à l'exercer ou est-ce que nous sommes complices, directement ou indirectement, de ce capitalisme pulsionnel qui le met en situation de tout exiger et de tout vouloir sans jamais réfléchir, en considérant que tout lui est dû et que de toute façon, s'il ne l'a pas, c'est qu'on ne lui veut que du mal. Alors, je crois qu'il nous faut recentrer les questions de notre système scolaire et plus globalement de notre système éducatif autour de cette réalité-là, autour de la montée de ce sujet pulsionnel qui n'est pas le sujet du désir exactement. J'ai dit tout à l'heure, l'enfant du désir, peut-être ai-je eu tort. La pulsion n'est pas le désir. La pulsion, quand elle est réalisée, on revient à l'électroencéphalogramme plat. Pulsion, réalisation, retour à zéro. Le désir, c'est merveilleux, c'est fantastique, c'est bien au-delà de la pulsion. Ce qui caractérise le désir, c'est que quand il est réalisé, il est toujours présent. Le désir d'apprendre n'est pas tué par le fait de savoir. Au contraire,
plus on sait, plus on a le désir d'apprendre. Le désir de l'être aimé n'est pas tué, fort heureusement, par la présence de l'être aimé. Et ce à quoi on reconnaît l'amour, c'est que précisément, c'est un désir qui ne se confond pas avec la pulsion. Alors oui, il y a un enjeu fondamental aujourd'hui qui, si on ne le regarde pas en face, ne nous permet pas, me semble-t-il, de répondre à la question « que peut l'éducation ?». Moi, j'ai envie de répondre à la question « que peut l'éducation ?». J'ai envie de répondre « elle peut et elle doit construire des êtres qui soient des sujets libres, capables de s'émanciper de l'impulsion, de cette toute-puissance, de cette volonté d'avoir satisfaction dans l'instant, sans avoir à prendre le temps de penser, de réfléchir, de mettre à distance. Je fais partie de ceux qui n'ont pas croit au complot, mais constatent qu'il y a étymologiquement une conspiration. Alors prenons le mot conspiration au sens étymologique. Conspiration, c'est ce qui respire ensemble. Une conspiration pour nous dire « réfléchissez le moins possible. Faites le plus vite possible. Passez à l'acte. » Alors ceux qui s'occupent des gamins difficiles, ils savent ce que c'est que le passage à l'acte, hein ? Ils savent que dans la classe, le gamin qui en a marre, il jette sa trousse, il jette sa règle, il se lève, il prend l'autre au collet, il le secoue. Du passage à l'acte, on en voit dans les classes difficiles. Mais même ceux qui ne sont pas dans les classes difficiles, ils voient les effets de cette réalité sociologique. Ils voient des gamins incapables de se concentrer. Ils voient des gamins dont la durée d'attention a été diminuée par 3 ou 4 en l'espace de quelques dizaines d'années. J'ai fait moi-même refaire les tests élaborés par Édouard Claparède dans les années 1930-1940, qui étaient des tests d'attention sur des puzzles ou des choses comme ça, c'est-à-dire des exercices relativement simples. On observe qu'aujourd'hui, un enfant a à peu près un tiers de temps d'attention fixe et linéaire par rapport à ce qu'avait un enfant à l'époque où Claparède a élaboré ses tests. Il faut être complètement juste, dans ce tiers de temps, c'est-à-dire 5 minutes d'attention quand il en avait 15, l'enfant fait plus de choses qu'il n'en faisait dans les 5 minutes auparavant, donc il est plus actif, plus intensément, mais le temps d'attention s'est fragmenté. Il faut en permanence renouveler l'attention. D'ailleurs, c'est le béaba du fonctionnement des médias. Quel est, avec le téléphone portable, l'invention la plus diaboliquement anti-éducative de notre époque? C'est pas la télévision, c'est pas Internet. C'est un petit objet extrêmement pernicieux que je vous propose de jeter dès que vous rentrez chez vous ce soir. C'est la télécommande. C'est un objet très pernicieux, la télécommande. J'ai appelé ça, au sens de Lacan, un phallus high-tech. Le phallus au sens de la toute-puissance, vous savez. La télécommande, c'est ce qui permet de fermer la télévision à chaque instant, mais surtout de changer instantanément de chaîne dès qu'il y a une seconde qui vous ennuie, quoi. Tac, 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 tac. Bon, vous êtes là. C'est fantastique. C'est fantastique avec la télécommande. Vous pouvez regarder en simultané un feuilleton américain, une émission, un documentaire animalier, une émission politique, un jeu, etc. Et puis surtout, dès qu'il y a quelque chose qui provoque chez vous la moindre, on va même pas parler de lassitude et tout, vous changez. Vous changez, mais bien évidemment, vous changez. Alors le problème, mais vous le savez comme moi, c'est que les gens qui fabriquent la télévision, qu'est-ce qu'ils ont compris depuis longtemps, enfin depuis que ça existe, la télécommande, ils ont compris qu'il fallait zapper avant le téléspectateur.
Ils savent que vous avez la télécommande là. Et ils n'ont qu'une seule hantise, c'est que vous ou vos enfants changiez de chaîne. Donc il faut qu'ils changent de chaîne dans la chaîne pour que vous ne changiez pas de chaîne. Donc ils vous bombardent d'images en permanence, en permanence, en permanence, en permanence, avec des surenchères d'effets, avec des surenchères d'effets, même quand ils vous font des trucs sur l'actualité, sur le je sais pas, la guerre entre les chiites et les sunnites en Afghanistan, ils vous mettent en fond sonore la bande-son du dernier film de Bruce Willis, et ils vous montrent ça comme un jeu vidéo. Même dans une émission très sérieuse, comme Envoyé spécial par exemple, parce que sinon, ils ont peur de vous ennuyer. Et quand ils donnent la parole à un homme ou à une femme politique ou à un intellectuel quelconque, jamais plus de 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 20 secondes maxi. Les gens, ils zappent après. S'ils zappent, ils sont perdus pour la chaîne, ils sont perdus pour la pub. Ah, c'est pas possible. Donc le gamin, il arrive en classe. Il n'y a plus de télécommande. Alors, heureusement, comme ils sont très astucieux, ils l'ont mentalisé, la télécommande. Elle est là-dedans. Ils zappent. Ils zappent. Et nous avons une espèce d'éclatement de l'attention qui est absolument total. Et nous ne pouvons pas rivaliser. Parce que dans cet éclatement de l'attention, qu'est-ce qui se passe? Bien, il se passe que c'est le plus spectaculaire qui gagne. Quand vous avez la télécommande, sur quoi vous vous arrêtez? Sur le plus spectaculaire? Sur le plus obscène? Mais pas obscène au sens sexuel du terme, nécessairement. Obscène au sens qui vous fascine, quoi. C'est obscène, c'est obscène parce que ça va creuser la blessure, ça va aller jusque aux parties les plus intimes du plus intime. C'est de la sidération dans ce que ça a de plus avilissant pour celui. Mais ça, on sait que ça va vous travailler, vous allez rester devant. Même chez les intellectuels, d'ailleurs. Les intellectuels regardent, d'après les enquêtes, les émissions les plus débiles en se donnant comme excuse toujours « Je veux voir jusqu'où ils vont aller dans la débilité ». Mais ça n'est qu'une excuse. Hein? Parce qu'en réalité, ils sont comme les autres. Ils sont dans la sidération par rapport à ça. Ils sont dans la sidération. Il y a là un phénomène qui est devenu massif. Alors, je ne veux pas développer trop longtemps cela, mais juste quand même, vous dire à quel point la donne a changé. Nous sommes devant des gamins qui n'ont rien à voir avec les gamins qui fréquentaient l'école il y a encore 20 ans. Cette accélération fabuleuse, ces phénomènes que je viens de vous décrire et dont je viens vous donner de manière humoristique une illustration de leur impact sont considérables, et l'école et l'éducation en général doivent en tenir compte pour repenser, me semble-t-il, et avoir le courage de penser qu'il faut éduquer. Et que l'éducation, c'est aussi parfois prendre le contre-pied de ce qui peut être toxique, par exemple. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui aujourd'hui sont toxiques pour les enfants. Et je le dis en toute simplicité, nous avons un rôle éducatif, non pas pour censurer ces choses toxiques, ce que la société n'accepterait pas, mais pour permettre aux enfants d'y réfléchir, de se mettre à distance et de voir la toxicité de cela. Alors, je ne vous propose pas de l'écouter parce que je sais que ça doit s'arrêter à la frontière, mais j'ai écouté récemment, moi, simplement pour m'instruire, presque une nuit complète sur Skyrock. Si vous passez en France, je vous en prie, passez une nuit sur Skyrock. Si vous ne l'avez pas fait, c'est une expérience. Mais c'est une vraie expérience. On ne peut pas comprendre le comportement des ados aujourd'hui si on n'entend pas ce que eux entendent à longueur de soirée et de nuit.
on ne peut pas le comprendre. Je viens de parler de Skyrock, j'aurais pu parler d'autres médias. Il y a là, évidemment, des phénomènes tout à fait fameux. Et ce n'est pas faire injure à Michel Serre, qui fait l'éloge de la petite poussette, que de dire qu'il a une vision un peu idyllique des nouvelles technologies. Un peu idyllique, parce que si ces nouvelles technologies, bien évidemment, sont une formidable fenêtre sur le monde et un formidable outil de communication, c'est aussi, entre les mains de gens peu scrupuleux, un formidable rouleau compresseur de crétinisation. Je le dis avec toute ma conviction. Alors à partir de là, sortons de la réactivité et allons sur la construction de choses plus élaborées. Comment peut-on fonder l'éducation dans la modernité, repenser y compris les problèmes institutionnels que j'ai posés tout à l'heure, au tout début de mon exposé, en se calant sur l'idée d'une pédagogie pour l'émergence d'un sujet. Je développerai rapidement, parce que le temps me manque pour aller dans le détail, trois principes pédagogiques que j'ai déjà effleurés un petit peu. Premier principe pédagogique différé, deuxième principe pédagogique symbolisé, troisième principe pédagogique institutionnalisé. Différé, je l'ai évoqué, Kortchak est un maître en la matière, sursoir au passage à l'acte, pour laisser la pensée émerger entre la pulsion et l'engagement, former à la liberté. La liberté, c'est construire quelque chose quand on sursoit à la pulsion, qu'on le passe au crible de notre intelligence et qu'on décide ou non de s'engager, mais qu'on le fait en toute connaissance de cause. Différer. C'est compliqué de différer. C'est-à-dire couper le téléphone portable, s'astreindre à ne pas réagir tout de suite, repasser par l'écrit de temps en temps. Moi, j'ai souvent rencontré des parents qui me disent « Mais je ne peux pas parler à mes enfants, ils ne m'écoutent pas. » Et je leur fais toujours la même réponse. « Vous ne pouvez pas leur parler ? Écrivez-leur. » Écrivez-leur. Prenez le temps de leur écrire, faites-leur une lettre et vous la laissez sur leur lit ou sur le bureau. Vous verrez qu'ils la liront. Oh, ils ne vous répondront pas, pas tout de suite, pas le jour même, mais je mets mon billet qu'ils la garderont, qu'ils la reliront peut-être. Et puis réécrivez-leur demain, après-demain. Si vous avez des choses importantes à dire, repassez par ces instruments essentiels qui permettent de sursoir à l'impulsion et de ne pas tomber, basculer dans le bras de fer, dans le corps à corps, dans ces espèces d'engueulades inutiles que sont souvent les relations entre adultes et enfants. Alors oui, apprendre à différer, fondamental, probablement un des éléments structurants d'une éducation pour la modernité. Symboliser. Symboliser, c'est d'abord être capable de se représenter ce qui n'est pas présent devant nous. Vous savez que la première symbolisation, chez Piaget par exemple, c'est la capacité de penser que parce que ce n'est pas parce que la balle est passée sous le canapé qu'elle n'existe plus. Et il y a des enfants qui n'ont pas construit ce qu'on appelle la permanence de l'objet, donc quand la balle roule sous le canapé, ils pensent que la balle n'existe plus. Et parce qu'ils ne la voient plus, ils pensent qu'elle n'existe plus. Remarquez, vous me direz, il y a des adultes que quand ils ne vous voient plus, ils pensent que vous n'existez plus aussi. Hein. Ils n'ont pas construit la permanence de l'objet non plus. Hein. Bon. Mais bon, passons. Symboliser, c'est pouvoir nommer la balle, même quand on ne la voit pas. C'est pouvoir parler de la balle qui n'est pas présente. C'est pouvoir parler de choses en les mettant à distance. Mais c'est aussi, et c'est très important pour moi, donner forme à ce qui nous habite. Pourquoi il est si important de continuer à raconter le petit poussé aux enfants ou d'autres histoires? Parce que de quoi cause le petit poussé? De quoi ça parle? Ça parle de ceux qui hantent tous les enfants, la peur d'être abandonnés par leurs parents.
Alors bien sûr, moi, instituteur ou institutrice, je pourrais dire au petit Mathieu, t'as pas peur, Mathieu, que ta maman vienne pas te chercher aujourd'hui à 4h30? Bon. C'est pas, professionnellement parlant, un geste pertinent. Mais je peux lui raconter le petit poussé. Et le petit poussé, c'est formidable parce que je lui parle de lui sans le violer dans son intimité. Je lui parle de lui. Il reconnaît des choses qui l'habitent, mais qui prennent une forme qui les rendent saisissables, ces choses-là, et qui leur permet de les traiter, qui permet à l'enfant de les traiter sur le plan symbolique. De quoi ça parle, le petit poussé? D'un ogre. Un ogre qui mange les enfants. Bien sûr, je pourrais, parce que moi j'ai fait deux, trois cours de psycho, je pourrais dire, mais t'as pas peur que ta maman, à force de te serrer si fort, elle t'étouffe? Parce que tu sais, tous les psychos l'ont dit, hein, l'amour, ça peut étouffer, quoi. Oui, puis toute la littérature aussi ne fait que dire ça. Hein. Comment aimer quelqu'un sans l'étouffer ou être aimé par quelqu'un sans être étouffé par lui, quoi. Personne n'a la réponse à ces questions. En tout cas, il vaut mieux parce que sinon, il n'y aurait plus de littérature, plus de cinéma, plus rien. Donc, comment aimer quelqu'un sans l'étouffer? C'est la question de l'ogre. Comment on peut aimer sans manger? Aimer sans détruire, aimer sans kidnapper la liberté de l'autre. Personne dans cette salle n'a la réponse, ou alors s'il l'a, il faut vraiment le faire savoir, et puis, plus exactement, non, il vaut mieux pas ne pas le faire savoir, mais l'enfant, il a cette question-là. Mais je ne vais pas lui faire de la philosophie, je vais lui raconter le petit poussé, c'est-à-dire que je vais lui donner un récit à travers lequel il va reconnaître implicitement puis explicitement ce qu'il vit, et il va, à travers le symbolique de ce récit, pouvoir comprendre ce qu'il vit et non plus être manipulé par ses pulsions, mais les manipuler lui-même. Il y a là quelque chose de fondamental. Et en plus, ce récit, il a un atout fabuleux. C'est que ce récit relie ce que chacun a de plus intime avec ce qu'il y a de plus universel. C'est extrêmement intime, ma relation avec mes parents. Mais si je trouve un livre qui m'en parle, je suis en quelque sorte en relation avec toute la dimension anthropologique de cette question. Et puis, grâce au symbolique, dans le domaine scientifique par exemple, eh bien, on peut construire des modèles d'intelligibilité du monde. Et ce monde qui était une espèce de truc, un ensemble d'objets plus ou moins convoités, devient un fabuleux trésor dans lequel on va découvrir des richesses intellectuelles que l'on va avoir plaisir à s'approprier. Symboliser, c'est faire entrer l'enfant dans la jouissance de la pensée et non pas dans la jouissance de la possession. Et je crois qu'il y a là une interpellation majeure pour les éducateurs et les institutions éducatives aujourd'hui, qui est de prendre le contre-pied d'un monde où la jouissance est dans la possession pour instituer dans la classe, dans la famille, dans les associations, partout où c'est possible, un monde où la jouissance est dans la pensée, dans l'intelligence, dans la compréhension. Et les gamins, j'en suis convaincu, ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que ça. Ils sont passionnés par les grandes questions. Pourquoi croyez-vous qu'ils iraient voir des films gore, des films de science-fiction, qui mangerait du manga à longueur de journée, si les questions anthropologiques fondamentales, les questions de la physique, de la conception du monde, de l'origine de l'univers, c'est-à-dire toutes les grandes questions des savoirs contemporains, ne les hantaient pas comme nous. Bien sûr que ça les hante. Mais notre école a perdu, en quelque sorte, cette capacité à faire ressentir à celui à qui on transmet
ce tressaillement anthropologique des savoirs qui fait que savoir, ça paierait, saveur, savoir, c'est avoir du plaisir, parce qu'on comprend ce qu'on ne comprenait pas, et qu'on se dit « oui, je comprends, oui, c'est formidable, je comprends ». Les yeux pétillent, l'intelligence pétille. Le gamin, il se trouve devant le monde, et là où il y avait du brouillard, il voit des formes, il voit progressivement, et il se découvre intelligent. Alors, recentrer l'école sur la symbolisation, c'est la recentrer sur la culture. Je le dis souvent, c'est enseigner les savoirs comme culture et se dégager d'une conception utilitariste des savoirs en termes de simples compétences techniques. Différer, symboliser, institutionnaliser. Institutionnaliser, c'est reconstruire des murs symboliques à l'école. C'est permettre une cohérence. C'est permettre une cohérence en un seul mot, parce qu'on peut voir cohérence. Non, non. Ça, c'est ce que nous faisons actuellement. Il faut passer de la cohérence à la cohérence avec un H. Une cohérence éducative autour de principes simples. Institutionnaliser, c'est lutter contre le fractionnement de l'institution scolaire. C'est mettre en cohérence les interventions éducatives des adultes. C'est construire du collectif. Et un collectif où les interdits, parce qu'il en faut, autorise, comme les feux rouges permettent aux autres de passer au feu vert. Institutionnaliser, c'est retrouver avec nos enfants le sens d'institutions qui structurent et qui sont fécondes, dans lesquelles chacun peut avoir sa place et protéger, peut s'exprimer. Alors je nous inviterai volontiers ce soir, à partir des défis de la modernité, à repenser notre éducation, que ce soit familiale, scolaire, à travers les médias, à travers le tissu associatif et culturel, de la repenser à travers ces trois verbes, et en nous demandant à chaque instant si nous faisons ou pas cela. Est-ce que nous apprenons à différer ? Est-ce que nous donnons à symboliser ? Et est-ce que nous sommes capables d'institutionnaliser et non pas de laisser filer le pulsionnel ou le n'importe quoi dans une espèce d'aléatoire où plus rien n'est prévisible et où donc l'enfant est en perte totale du moindre repère ? Ce que j'ai là pourrait apparaître à certains peut-être, mais ce serait contradictoire avec ce qui a été dit tout à l'heure, comme une sorte de refrain un peu nostalgique. Ça n'en est absolument pas le cas. Je ne suis nullement nostalgique de l'éducation d'antan, qui était une éducation essentiellement théocratique et qui était fondée sur des principes qui, de toute façon, n'opéreront plus aujourd'hui et ne peuvent plus opérer aujourd'hui. En revanche, je pense qu'il nous faut trouver quelques principes forts pour restructurer nos systèmes. Alors on peut évidemment les réparer, on peut aussi les refonder, les restructurer, les reconstruire, les mettre à l'épreuve d'exigence, et je vous en propose trois qui me paraissent aujourd'hui fondamentales. Alors la crise de l'éducation que nous traversons, c'est une crise difficile. La crise des systèmes scolaires que nous traversons est une crise difficile, éprouvante pour les enseignants qui la vivent souvent d'une manière dépressive en intériorisant l'échec. Et c'est tout à leur honneur parce qu'ils n'aiment pas l'échec et ils ne veulent pas produire de l'échec. Mais cette crise de l'éducation, nous ne devons pas, je crois, la vivre de manière fataliste ni catastrophiste. Nous avons jusqu'à demain, remarquez, avant la catastrophe, donc on a encore 24 heures. Mais cette crise de l'éducation, nous devons, j'en suis convaincu pour ma part, en tout cas c'est ce que je voudrais, la considérer comme une chance.
une chance dès lors que nous serons capables de fonder cette éducation sur l'exigence de la formation à la démocratie. Vieille idée de Kant, sapere aude, ose te servir de ta raison. Fonder l'éducation sur la formation à la démocratie, c'est exigeant. C'est pas facile. Nous ne savons pas encore faire, de toute évidence, et nous avons du pain sur la planche. Mais c'est une chance formidable pour faire un sacré pas en avant. Et puis la crise de l'éducation que nous traversons peut être aussi une chance dès lors que nous serons capables, et c'est difficile, de ne plus confondre les finalités de l'éducation avec ses modalités historiquement datées et dépassées. C'est compliqué parce que les modalités, par exemple celles du système scolaire, nous apparaissent aujourd'hui comme des modalités quasiment inamovibles. La notion de classe, par exemple. On se dit, on a toujours enseigné par classe et on n'enseignera toujours que par classe. Moi, je ne sais pas. D'abord, historiquement, c'est faux. La classe n'a que 2 siècles. Et en plus, peut-on dire qu'il n'y a pas d'autre modalité d'enseignement que la classe? Ce n'est pas sûr. La classe, c'est une modalité d'organisation du système. Ce n'est pas une finalité en soi. Le système n'a pas pour objectif de mettre un prof devant une classe et puis de dire, ça y est, on a fait notre travail, tout est gagné, il n'y a plus rien à faire. Nous avons à repenser les modalités à travers nos finalités. Et ça, ça demande un vrai effort, une véritable inventivité. Alors oui, cette crise de l'éducation peut être une chance pour nous, dès lors que nous serons capables d'inventer des institutions et des pratiques pédagogiques à la hauteur des enjeux de notre temps. Les enjeux sont importants, mesdames et messieurs. J'en ai évoqué quelques-uns avec vous, et ils imposent plus que jamais que nous ayons ensemble, et ça ne sera pas facile, le courage. Et c'est un vrai courage d'éduquer. Merci de votre attention.